Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu imprévue en fait. Aujourd'hui, en fait, là on est dimanche et ce soir, après le boulot, je vais aller chercher la voiture. J'avais pas prévu du tout, genre hier, le garage qui me téléphone et qui me dit ouais, ta voiture n'a aucun problème. Le problème était uniquement les clés. Donc ils ont reçu la clé. Donc là, soi-disant, la voiture va bien. Donc je peux aller la chercher aujourd'hui. Donc j'espère honnêtement, parce que ça fait quoi, peut-être 2 semaines, 3 semaines que je n'ai pas la voiture et 2 semaines que la clé a été commandée. Donc je trouve que ça a été quand même rapide quoi. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, est-ce que la voiture roule? On verra ça après le boulot. Là, il est 6h30 du matin. Pas loin du château d'Osaka. C'est un peu mon endroit favori le matin avant d'aller au travail. C'est un endroit que, surtout le matin, il n'y a personne. Donc. C'est assez agréable, à part les petits vieux qui font leur sport, mais ça c'est pas dérangeant. Là, je me suis mis là parce qu'il n'y a personne pour faire la vidéo. C'est là-bas, ils font leur sport et tout. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, franchement, je suis très très content de pouvoir aller la chercher. Bon, bien sûr, va falloir payer. Donc la clé vient de France, donc... Il faut payer 22 000 yens. 22 000 yens, ça représente peut-être 190 ou 200 euros. Bon, ça fait un peu cher pour une clé. Je vais pas vous mentir, mais bon, c'est pas grave. On va accepter. Au moins, j'aurai une voiture avec une clé nouvelle. Et voilà quoi. Mais bon, on va pas parler trop vite parce que je l'ai pas encore récupérée. J'ai encore toute une journée à patienter. Ça va être très long, je sens. Ça va être très très long. Je voulais vous montrer ça aussi. Ça fait un peu post-apocalyptique. Genre, il n'y a personne. Un énorme bâtiment. Genre, j'y étais allé hier, je savais même pas qu'on pouvait passer. Par contre, c'est hyper crade. Il n'y a vraiment pas un rat ici. Aussi, si vous voulez être tranquille pour faire une vidéo, ici c'est pas mal. Bon, il n'y a rien à voir. Hein. C'est pas très joli, mais. Après, vous avez la ville là-bas. Enfin bon, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure quand je vais chercher la voiture. Et prime tard. À tout à l'heure. Enfin, je suis super content. Il était temps que je la récupère. Alors, c'était même pas prévu que je la récupère aujourd'hui. Moi, je pensais que j'allais attendre encore deux ou trois semaines. Et en fait, hier, le garage qui m'envoie un message comme quoi la voiture est prête. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est rapide. Et donc, il m'a refait la clé, donc là, je sais pas si ça se voit bien par contre. Donc j'ai une nouvelle clé, alors elle est un peu différente.
De l'autre avant, il y avait un bouton là. Je pense que c'était pour la centralisation en fait, électrique. Donc bon. Le problème c'est que j'ai pas de double de clé, donc je vais devoir en faire un, je pense. Et bon, j'ai l'ancien machin quand même, mais bon, ça c'est inutilisable. Le seul problème qui me fait flipper maintenant, parce que je vais devenir parano. Je vais devenir parano et c'est au niveau de la trappe à essence. Il y a un jeu au niveau de la serrure, donc il faut forcer un peu et j'ai pas envie de la casser une deuxième fois. Donc je pense que je vais refaire la même clé, mais simple en fait, juste pour la trappe à essence. Ou alors changer à la trappe. Il fait chaud maintenant là. Enfin bref, c'est une bonne nouvelle. Et donc la voiture, ça faisait 2 semaines que je l'avais pas, et pendant 2 semaines, il y avait les bouteilles d'eau que j'avais fait quand j'ai cassé la clé. Je les avais complètement oubliées. Du coup, ça fait plaisir, on récupère des bouteilles d'eau. Et aussi, le garage m'a donné des stickers. Ah, je sais pas du tout si ça. Putain, attendez. Donc, il m'a donné des stickers Total. Et également deux t-shirts Total. Bon, c'est cool. C'est cool. Honnêtement, c'est cool. Je suis désolé, la vidéo est de nuit parce que j'ai. Comment dire? J'ai fini le travail assez tard. Donc là, on va la démarrer là. On va la démarrer ensemble. Donc là, il est 19h44. Et ça démarre impeccable. Mais maintenant, je suis parano. Du coup, la clé, je la touche légèrement. J'ai peur de la péter une deuxième fois. On va faire un tour, je suis juste à côté de chez moi, c'est une petite vidéo où je récupère la. Voilà, excusez-moi. Où je récupère la voiture, je vous ferai une autre vidéo plus tard qui sera mieux parce que là c'est la nuit, c'est un peu à l'arrache, mais au moins je voulais vous faire ça quand même. Je vais mettre la GoPro là et on va faire un tour ensemble. Attendez. Voilà, ça vous allez me regarder conduire la voiture. C'est parti, on rentre à la maison. Tel le bruit aussi m'avait manqué. La zone résidentielle vers chez moi, donc je vais pas rouler trop vite non plus. Ah, les gens ils vont m'insulter, mais ils comprennent pas la joie que j'ai. 3 semaines sans voiture, enfin 2 semaines et demie sans voiture, c'est trop pour moi. En plus, ce que j'aime bien, c'est que j'ai la clim. J'avais oublié qu'il fallait appuyer sur le bouton pour activer la clim en fait. Je l'avais dès le début, mais j'avais pas pensé. J'avais oublié. Bon, là on va rentrer à la maison parce qu'il est tard et j'ai une longue journée de travail. Et je suis désolé, la semaine dernière je vous ai pas fait de vidéo. Attendez, j'allume. Je vous ai pas fait de vidéo parce que déjà j'avais pas la voiture. Et à pied, c'est pas très intéressant.
Du coup, j'avais pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo en fait, juste pour faire une vidéo. J'ai envie de faire des vidéos quand j'en ai envie et aussi quand j'ai le temps. Voilà, donc c'est normal que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Mais je vais me rattraper. Donc là, on arrive à la maison. Alors, je vais me garer, faire une manœuvre. Pas très longtemps. Je parle pas parce qu'il faut que je me concentre. Parce que j'ai le muret en plus à côté, que je rappe pas la voiture. Impeccable. Impeccable. On va faire gaffe à la clé, maintenant je deviens parano. Donc voilà les gens, je vais vous laisser là ce soir. C'est vraiment une courte vidéo, mais j'espère que ça vous aura j'arrive plus à parler, ça vous aura fait plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo où là on va aller envoyer la voiture dans la montagne. Encore, j'adore la montagne, j'ai envie d'y aller. Donc on va essayer, je vais d'abord voir si je peux faire un double de clé pour la trappe à essence, parce que là, ça, je vais faire des cauchemars sinon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à partager la vidéo et à vous abonner, bien sûr, c'est important. Mon Instagram également qui s'affiche maintenant. Voilà les gens, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao tout le monde.